Et chers journalistes, chers médias, Yanga Sport Club, c'est un grand club. Et un grand club, là, il a des codes de fonctionnement. Pour qu'on puisse garantir des résultats et tout cela, nous avons des procédures de comportement et d'attitude qui doivent être indispensables chez tel joueur. Et si jamais dans ces procédures il y a des points qui n'ont pas été respectés, quelles que soient les importances des matchs et tout ça, nous devons prendre des sanctions qui correspondent au degré de faute que le joueur puisse avoir. Certainement, je regrette le fait qu'on a pris une décision que Saïdou et abandonne nous quitte. Mais nous avons la responsabilité en tant que coach, en tant qu'administration aussi, de protéger. Nous avons une responsabilité de protéger pour que la discipline puisse régner à tout moment, quelle que soit l'importance du résultat au sein des clubs. C'est une culture. C'est une culture au sein du club de Yanga. Et je pense tout le club, le grand club qui se respecte, qui doivent mettre la discipline avant le résultat sportif. It's another special game, another derby, the competition that we are still fighting for and that we are depending on us to get the title. We know that it's going to be a very tough game. I don't mind to say that I think they are the favorite ones, that they are in the best moment, that they are performing better than us in this kind of pitches, that probably they are in a better moment than us. But this is football, and in football anything can happen, especially when you are playing just one game, and that's what we've been working in the past days. We have a plan, we are convinced that tomorrow we can play and perform. And if we do what we are supposed to do as a team and individually, I'm sure 100% that we are going to have our options to beat them, even if on paper they are favorites.